Bienvenue. Nous allons continuer l'aventure. C'est un peu bizarre. Je vois un triple. Voilà, ce serait mieux comme ça. Alors, nous allons continuer l'aventure de Tomb Raider. L'aube de Tomb Raider, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas. Non, ça fait pas un petit moment. Ça fait pas très longtemps, mais il faut quand même que je. Que je termine l'histoire, que je termine l'aventure, parce que ça fait un moment que j'ai commencé. Et ça fait un moment qu'il faudrait que je la termine quand même. Donc, nous allons continuer là où nous nous en étions arrêtés. Et je vais réfléchir au jeu suivant que je vais faire. Éventuellement, peut-être Siberia ou autre, je verrai en fonction d'eux. Nouvelle partie, expédition, manoir des crafts, classement, option. On s'en fout. Attends. C'est ça qui me semble intéressant, je crois. Baba Yaga. Quatre. Comment ça, je vais être de bon, bah. Cent cinquante mille, 60 000. Celui 5 cartes aléatoires dans une obligatoirement. Ouais, donc là il vous faudrait au moins 150 000, punaise. J'ai encore le temps de voir. J'ai encore le temps de voir, il me reste 60 000 à trou à faire. C'est énorme. Pardon, excuse-moi. Oui, non. Non, parti. Parti. Vérifie, on sait jamais. La flèche crapa, mais j'ai les flèches incendiaires. Donc je vais pouvoir éventuellement revenir en arrière pour débloquer certains trucs que je n'avais pas pu faire auparavant. À des sauvegardes automatiques régulières. Bon. Le symbole TR dans le coin de l'écran indique que la sauvegarde est en cours. D'accord. Appuyez sur RS pour zoomer avec. Il y aura moins de choses à être rougées. Alors. Alors, nous disions que là, nous avions un tombeau. Là, c'était là où je devais aller. Là, c'est le monolithe. Je sais pas si je pouvais le lire. J'arrive enfin à lire. Et ça indique un endroit. Oh. Encore des caches de monnaie, et ça, c'est bon, ça. On va aller essayer de voir le défi tombeau. On n'a rien vu, je ne me suis pas du tout fail. C'est faux, vous avez rien vu. Voilà. Voilà où il se trouve le tombeau. Ah non, là c'est la suite, shit. J'ai mal regardé. Là, je vais y tourner le dos, donc. Ça veut dire qu'il est par là. Vu. Vu. Là. Je le reconnais avec ses symboles. Ouais, il fait pas si sombre. Wow, toujours aussi beau ce jeu. On va suivre la rivière. Seulement identifié défi tombeau facultatif.
Oh my, c'est beau. Wait. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais. C'est pas bien de désobéir. C'est pas bien. Bon. Hop, hop, à droite. Hop. Allez, hop, on continue de monter. Ah, c'est ça, moi, que je voulais. Alors, ensuite. Ok, donc là c'est pour revenir en arrière, excusez-moi. Ah oui. Ah, donc c'était le truc que je voulais prendre tout à l'heure. Sur le côté. Ok, il y a un truc spécial, ça va être beau. Ça va être magnifique dans 5, 4, 3. Une sorte de chambre funéraire. Ouais, c'est pas si magnifique que ça en fait, une chambre funéraire. Hein, Soif de connaissance. Un panier en argent. C'était sûrement un objet de décoration. Mais quelqu'un s'en est servi pour transporter du grain. Je retire ce que j'ai dit, hein. C'est pas aussi magnifique une chambre funéraire. Ouh, un feu de camp. Magnifique. Oui, si tu le dis, on veut pas te contredire. Hein. C'est vrai qu'au niveau architecturalement parlant, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ok. Là, j'attire lui ici. Un truc. Des pièces pour le passeur. Il y a peut-être un autre radeau pas loin. Oh. Il y a une manivelle sur ce radeau. Nous sommes peut-être loin de chez nous, mais cela ne fait pas de nous des barbares. Quand nos êtres chers nous quittent, comme c'est arrivé trop souvent cette saison, nous les traitons avec le respect qui leur est dû. Quand nous n'avions pas encore de vignes pour produire du vin, nous lavions les morts dans les eaux du lac. Quand nous n'avions pas de métier pour tisser leur linceul, nous les enveloppions dans des fourrures et des peaux. Nous avions apporté quelques pièces, mais nous frappons désormais les nôtres, pour que les défunts puissent acheter leur passage dans l'autre monde.
Si seulement le prix à payer n'était pas aussi grand. Ok, donc je peux même pas me prendre les trucs. Adieu. Non, mais... Foiré! Merci bien. C'est quand même Big Roman bien agencé. Oui, je sais, le Big Roman n'existe plus depuis 3000 ans. Intéressant. Ils embaumaient leurs morts. Quand même civilisé un peu les pauvres. Oh déjà. Un calice en or, digne d'un roi ou d'un prophète. Il a été fabriqué ici, à Kitège. Bon. Ok, ça c'est champignon. Alors, que vais-je apprendre? Un grain de nouvelles. Et c'est... Encore un codex. Allez, un codex. Apprends quelque chose. C'est bon ça. Il y aura un document que je dois récupérer. Qui se trouve au niveau du feu de camp. Oui, c'est beau quand même. Moi je tiens à dire que c'est beau. Mais c'est assez rapide pour trouver le tombeau là, je trouve. Un petit pot de chou. Mmh.
Quelqu'un s'est introduit ici à la faveur de la nuit. Il a rempli ses poches de pièces, renversé des jarres d'huile et de vin, et il a même manqué de respect à ceux qui sont inhumés ici. Je suis consterné à l'idée qu'un des nôtres puisse être dépourvu de cœur au point de profaner ce lieu pour s'approprier de basses richesses matérielles. Nous devons trouver un moyen de protéger cet endroit, même contre nos propres frères. Bon, et ben, tant bon, terminé. Je vais le dire. Coulade. Allez Lara, encore un petit effort. Allez, c'est bien. C'est dangereux ce que je fais quand même. Hein. C'est une petite peu dangereux. Ah, merci pour la lumière. Et retour dans la vallée, c'est parfait. Voilà. Donc il ne reste plus que... que je fasse l'entrée de la crypte aussi. Je vais tenter à faire l'entrée de la crypte. Alors là j'ai un fait qu'il y a ici. Quand là... Je me rends au feu de camp. Je vais aller faire la crypte, j'ai trop envie. Je suis en manque de crypte. Je viens juste d'en faire une, hein, mais... Oh, sac d'explo, je l'avais pas vu lui. Ouais, on se met au chaud. Téléportation. Donc on va réussir du coup à choper les trites et à les massacrer la grande partie pour ensuite enfin pouvoir se barrer. Et je me suis gouré, c'était pas celui le plus proche. Non, là je viens de rentrer dans le truc là, il faut que j'en saute. Faut passer par là. Je me rappelle. Lumière.
Lara. Et c'est la fois où elle décide qu'en fait la lumière sert à rien alors qu'en fait elle est totalement utile et useful. Allez, on y est presque. Normalement, juste en face. Qu'on va arriver enfin à sortir d'ici. Géothermie. Voilà. Ah, c'était la cache. Donc, la cache, c'est fait. Maintenant, le tombeau, mais là il me manque l'objet, il me faut la crypte surtout. J'ai rendez-vous! Non mais, t'es sérieuse? Foiré. Me faire un coup comme ça, moi. Donc on a la crypte à fouiller, éventuellement remonter encore plus haut. C'est fou quand même, hein, d'un seul coup, d'un seul, c'est le village est calme. Il n'y a personne. C'est beau, moi je dis. Se couvrir de sens, c'est quand même fortement important. Ah là, je peux. Ok, on continue tout droit. Hop. On monte sur les ronds. C'est bien ce que je pensais. Ça est ici. Je le vois, hein. Non mais...
Elle a pas compris ce que je voulais lui faire faire. Là, il me manquait quoi? Je crois qu'il me manque le truc en fer. Là, non, c'est le truc pour respirer sous l'eau, c'est vrai. Je me rappelle. Je pense avoir trouvé. J'ai bien dit, je pense. Rien n'est moins sûr. On n'a rien vu. De toute façon, quoi qu'il arrive, il doit y avoir un moyen pour que je monte là-haut. Vous avez fait d'énormes progrès, mes élèves. Je commence presque à croire que certains d'entre vous seront un jour de bons chasseurs. Mais il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Aujourd'hui, tant qu'il fera jour, nous chasserons le cerf. Sa viande, sa peau, ses bois et même ses os nous font vivre. Respectez le cerf, car c'est une créature de Dieu au même titre que nous.
Vous le trouverez près de sa litière, là où l'herbe est aplatie, ou près des buissons de baies dont il se nourrit. Frappez sans hésiter, pour qu'il n'éprouve ni peur, ni douleur. Et n'oubliez pas, je vais vous évaluer. Alors ceux qui m'apporteront un cerf plutôt qu'une biche seront mieux notés. Ouais. Parce que là, je vois pas comment, de là où je suis. Il y a un truc, parce que là, je comprends pas très bien. Ah non. Je m'en bats les couilles, je ne vois pas comment ils font le truc. Alors. Bon, cette crypte a l'air d'être mort, le document là-haut aussi a l'air d'être mort aussi. On va continuer l'histoire, hein, que vous voulez que je vous dise. Non, c'est pas là. Autant aller vers un feu de bois. Autant aller vers le feu de camp là. Par contre. Voilà. Non, je suis pas d'accord pour vibrer. Ça c'est pas de me faire vibrer. Allez hop, destination. Et hop, on se rapproche. Qu'on termine quand même le jeu parce qu'on est à 30%, on est quand même loin. Car pas que des choses à faire. Voire même trop. Voilà, c'est ça, il me faut la... c'est pas la flèche grappin, c'est... Ah, la nouvelle zone.
Ça y est. Jacob, c'est un vrai carnage ici. Il n'y a aucune trace de votre peuple. Sophia a dû les conduire dans les catacombes, sous la tour. Mais j'ai perdu le contact avec elle. Très bien. Je vais voir là-bas si elle y est. On a presque fini d'évacuer les blessés ici. Je vous rejoins dans peu de temps. Il y a combien de trucs là? Un défi, trois coffres forts, trois reliques, 10 documents, une fresque, trois cachets, trois monnaies, trois cachets de survie, trois trucs de monnaie. Ok. Allez, grimpe là! Tu peux le faire! Voilà. Bah donc là je suis un coup plus haut. What the fuck? Alors je vais voir un truc avant. Ok. C'est bien ce que je pensais. J'espère qu'il a gardé le fait que j'ai placé la corde quand même, non, même pas. C'est bien ce que je pensais. J'espère aussi, parce que sinon c'est muerta. Je veux des réponses. Mais ai-je vraiment le choix, maintenant? Je ne peux pas laisser les Trinitaires tuer ces gens. Ces lignes, je les ai franchies il y a bien longtemps, et je ne peux pas faire demi-tour. Je dois les aider. Il ne fait aucun doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui, et lui pour eux. Ce genre de loyauté est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci, au bout du monde. Si je me bats à leur côté, peut-être que je... confiance en moi pour me dire ce qui se passe. C'est pas vrai. Les créatures de cette vallée nous étaient étrangères autrefois. Mais ce sont désormais nos frères et nos sœurs, au même titre que les membres de notre famille. Les chasseurs savent beaucoup de choses sur ces animaux, surtout une fois qu'ils sont morts. Mais ces créatures sont aussi généreuses de leur vivant. Dans le nid des oiseaux, nous trouvons des plumes qui permettent aux artisans d'empenner les flèches. La vallée pourvoit à tous nos besoins. Il suffit de demander. Cela fait maintenant des mois que les neiges de la montagne ont enseveli le cœur de Kitej.
Nous avons envoyé des hommes à la recherche de survivants et de nourriture. Mais aucun n'est revenu. Des sons nous parviennent des profondeurs du glacier. Mais j'ignore si des gens y sont prisonniers. Il pourrait s'agir des craquements de la glace. Mais je dois avouer que cela ressemble à des voix humaines. Tu m'étonnes. Les spectres des guerriers du prophète parcourent peut-être encore les rues gelées. Nous n'en verrons plus personne là-bas. Nous devons accepter le fait que le prophète et la cité ont disparu. Et que nous sommes désormais seuls. Ok, mine. Je vais trouver un trésor. C'est un reliquaire. Un coffret qui servait à conserver les reliques des saints. Ça pouvait aller des dents, aux doigts, en passant par la tête entière. Celle-ci appartiendrait au prophète. Il est vide. La cour est sécurisée. Qu'est-ce qu'on peut faire des prisonniers? Liquidez-les! Ne tirez pas! Nous allons... Bien. Va falloir être plus minutieux. Faites-moi un état des lieux. Tout est calme ici. L'équipe 4 est en train de fouiller les tunnels à la recherche de la place. Oh!
Hey, oh, attends. Ces enfoirés sont loin d'être cons. Ils ont peut-être posé des pièges. T'inquiète pas, je tire sur tout ce qui bouge. Bah vas-y doucement. Ouvre l'œil. Allez mon pote, à ton tour maintenant. C'est bon, il a eu son compte. Si ça te met mal à l'aise, t'as qu'à regarder ailleurs, mon pote. J'aime cette méthode, je reconnais. On n'obtient rien quand on demande gentiment. Jusqu'au dernier. Du calme, Sophia. Tu as vu cette boucherie? Comment on va se remettre de tout ça? Peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est... notre devoir. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Ça va aller, tu vas voir. C'est de l'autre côté que ça bloque. Ça va, tout va bien. Aidez-nous à mettre les autres dessus. Vous n'étiez pas obligé de nous aider. Je saurais m'en souvenir. On va t'emmener en lieu sûr. Tiens bon. Allez, passage. Cette fresque représente le moment où ils ont trouvé la vallée. Elle a dû leur sembler paradisiaque. La voilà. Je peux peut-être la débloquer d'ici. Les catacombes. On y sera en sécurité. Pile ce qu'il me faut. Ça devrait le faire. Flèche grenade, ça c'est bon ça. Ah oui, voilà. Ah, sauf de connaissance, ça c'est bien. Ça. Une amulette en forme de cerf, taillée dans un bois. Ça pouvait être un objet important ou un jouet d'enfant. Jouet d'enfant. Moi, je pars plus sur le principe de jouet d'enfant. Merci, Lara. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine, mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, je suis contente que tu sois notre allié. Ils convergent vers la tour.
Certains sont encore là-bas. Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. Yeah, lover. Alors, oh my god. Inventaire. La flore de la vallée, des grands arbres aux minuscules champignons. Ouais, désolé, hein. Pas que j'aime pas. On va pas s'y attarder pendant celui-là. Ok, d'accord, excusez-moi. Charge. C'est mort. Deuxième mort. Ouais, je sais. Oh, oui.
Par contre, j'aimerais que tu m'équipes avec les autres, si possible. Pourquoi t'es passé sur les flèches enflammées, hein? C'est le type de flèche qu'il faut, mais c'est surtout pour laisser tourner en fait là que je galère. Manette. Non, commande. Habilité. Non. C'est pas ça. Manette, non, clavier, ça, une radio, non, graphisme, non, affichage, non. Guide de survie.